Non, c'est vrai que cette technique-là, elle n'est pas facile. Tu prends ton allumette, tu la mets dans le petit trou ici. Là. Voilà. Ensuite, on refait des petites voitures en matériel de recyclé. C'est-à-dire que le but, ils vont repartir avec des voitures toutes faites avec des plastiques recyclables. Ici, ben, on se sert de bidons, de lessive ou de produits d'entretien. Et pour les roues, bon, ce sont des boîtes à fromage. Donc tout ça, c'est pour montrer, en fait, le but, c'est pour montrer aux enfants que, eh ben, de plus en plus, maintenant, dans l'automobile actuelle, on utilise beaucoup de produits qui sont recyclables. On a de plus en plus de voitures avec des matières plastiques, par exemple. Que dans le temps, je n'ai pas eu le temps encore de vous le montrer, les enfants, on a beaucoup de voitures dans le musée qui sont dans des matériaux, vous verrez, des bois précieux, beaucoup d'acier, beaucoup de matériaux qui ne sont pas recyclables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer après, quand ça ne fonctionne plus. Et là, le but, c'est de refaire tout avec des matériaux recyclables. Voilà. Parce que je suis allée chez ma mamie. Et avec ma mamie, elle nous inscrit aux ateliers. Vous êtes sans nuit. Vous voulez décorer votre voiture ? Alors, je vous explique. Pour décorer... Je trouve que c'est très, très, très intéressant. J'aime bien faire du recyclage. Ah, regarde en arrière comme ça. Je vais gagner.